Le jour n'est pas encore levé. Moins 5. Je traverse la forêt de l'Orge avec ses 507 hectares où vivent toute une faune sauvage. Je prends une route plus petite à gauche, qui mène au château de l'Or. Quand je vais dans ce coin magique, je réalise toujours le même parcours. Tout d'abord, je m'arrête dans cette clairière. Pas de chevreuil ni de renard aujourd'hui. Puis, au premier plan d'eau, tout est gelé. Une poule d'eau traverse à toute vitesse. Ensuite, dans un autre champ, toujours rien. Et après, je vais au château de l'Or. C'est surprenant de voir ce plan d'eau gelé.
je rencontre Roland, l'homme à tout faire, gardien, jardinier, terrassier, qui me dit que hier, il avait deux oiseaux blancs qui le suivaient lors d'un terrassement avec une munipelle. -5. Il ne fait pas chaud. Roland avait quelques travaux à réaliser dans le château. Il m'a permis de monter au deuxième étage pour prendre quelques images d'en haut. Magnifique. Écoutez, on entend la glace qui commence doucement à fondre. Le soleil arrive. Je m'engouffre dans la forêt. Dans les feuilles, il y a une grande quantité d'oiseaux à la recherche de quoi casser la graine. C'est une question de survie. C'est la première fois que j'en vois autant. Ça fait plus d'une semaine qu'il fait froid. Ici, des pinsons des arbres. Ça manque de lumière quand même. Les feuilles sont gelées et ça fait beaucoup de bruit en marchant. Entre autres, il y a plein de grives mauvies. Ça fouine, ça cherche.
je continue mon circuit habituel. Drôle de sculpture dans le bois. Deux chevreuils viennent de passer, près du Ségoya, mais je n'ai pas eu le temps de filmer. C'est magique. Ça grouille de tous côtés. Beaucoup de pinsons des arbres. Ah, que c'est reposant ici. Il fait toujours froid et je suis en boule. Le plan d'eau est bien gelé. Magnifique château. Je me retrouve devant le château et j'entends Roland qui travaille. De drôles d'oiseaux sont là. Je n'ai pas eu le temps de baisser l'iris de mon caméscope. Des oiseaux blancs plus soleil, l'image est beaucoup trop claire. Mais ce sont des hérons garde-bœufs. Thank you.
il est occupé à attraper un mulot. Et hop, à attraper. Dommage que cette vidéo est trop claire. Il profite que Roland réalise de terrassement avec sa mini-pelle, car la terre est gelée. J'ai beaucoup de chance, car ce sont des oiseaux assez craintifs. J'aurais pu les filmer pendant des heures. Contrairement aux autres hérons, le garde-bœuf n'est pas forcément lié au milieu aquatique, même si l'eau et les zones humides continuent à jouer un rôle important dans son mode de vie. Son régime est principalement insectivore. On le retrouve souvent en compagnie de bétail, sur lequel il se perche pour le débarrasser de ses parasites. Cependant, les insectes ne représentent pas son menu exclusif. Il comporte également des petits vertébrés qu'il capture en marchant lentement près des troupeaux, des grands mammifères, ou comme ici, près des machines. Bien sûr, ils sont là en migration. C'est bien signe visible du réchauffement climatique. C'est un oiseau originaire d'Afrique, qui remonte du sud de la France et de l'Espagne. Il était inconnu en Bretagne il y a seulement 15 ans. Il a une expansion assez extraordinaire. Je suis surpris qu'ils ne sont pas sauvages, peut-être à cause du froid. J'ai eu le temps de baisser l'iris. L'image est meilleure. Pour avoir le temps, j'ai du temps.
Dès que Roland met en route sa mini-pelle, ils sont là de retour. Il faut profiter de cet engin. Je resterai bien là toute la matinée.
Maintenant, direction l'ancienne écurie, où dans le temps il y avait une garnison avec 200 chevaux. Incroyable. De temps en temps, je vais tout en haut, voir les chouettes effraies. Rien aujourd'hui. Elles dorment dans un autre endroit. Sur ce plan d'eau, rien aussi. C'est bien gelé. C'est plus fort que moi. Je retourne voir les hérons garde-bœufs. Et je filme. Thank you.
Je profite pour dire encore merci à M. Hervé et à Roland pour leur accueil, car ici, c'est une propriété privée. Ici, c'est magique.